L'existence de Villeneuve-sur-Yonne remonte aux origines de l'humanité. C'est sous le règne de Louis VII que Villeneuve prit son allure actuelle. Ville resta menacée jusqu'à ce que Louis XI, en 1477, annexe la Bourgogne à la mort de Charles le Téméraire. Découvrons à l'intérieur sa voûte très haute. C'est une des plus lumineuses de France, car elle est pourvue de larges baies vitrées. Celle de Saint-Joseph suit celle de la Vierge Marie, celle du Saint-Sépulcre avec une mise au tombeau attribuée à l'atelier de Jean. D'importantes modifications ont eu lieu. Ainsi, une seule grande arche remplace les deux autres petites. Découvrons la tour Barbe, qui servit de péage à l'époque où il y avait encore la porte. Cette carte se trouve au premier étage de la porte de Joigny, au musée, dans la salle de l'histoire locale. La porte de Joigny, identique à la porte de Sens, possède deux tours carrées à l'extérieur et rondes à l'intérieur. Ce lieu a été au XVIIIe siècle et pendant un certain temps la mairie de Villeneuve-sur-Yonne. Il contient un tour à broyer datant de 1794, remanié dans les années 1992. On remarque la découpe des anciennes fortifications qui faisaient le tour de la ville. Le second palier, par un escalier très rustique et sinueux, en tomettes et bois, nouvelle salle d'exposition. Si Louis VII a édifié les remparts de la ville, c'est son fils Philippe Auguste qui fit édifier ce donjon dans les années 1210. Suivons sur ce plan la partie des remparts qui ont été démolis dans le parc de la mairie. Ce qui en reste se trouve à la tour de Rousseau. L'appartement du roi, le troisième étage, servait de salle de garde. De 28 mètres, elle est redescendue à 21 mètres 50. Quartier des salles, c'est-à-dire du palais où se trouvait la suite royale. Elle contenait une chapelle édifiée en 1285. Tourlière autour du sorcier selon les époques. Son sommet était envahi par la végétation. La dernière tour, qui, à l'opposé de la tour de Rousseau, se trouve sur les bords de l'Yonne en amont. Appelez maintenant les promenades sur 1 km 900. Nous commençons en partant de la tour Bonneville, là où se trouve le monument d'Émile Pénon de Rempart. Il concerne la porte Rempart. Nous vivons sur le domaine d'un ancien prieuré des sœurs franciscaines de Bourges. Et se situe un supermarché casino pourvu d'un vaste parking. L'abbé Asfeld, ardent théologien. Il entretint la communauté des filles pieuses sous l'Empire. La clé était la girouette, enseigne des compagnons charpentiers. Ils ont un colombage et encorbellement datant du XVIe siècle. Nous sommes au 56 rue Carnot. C'est la maison où vécut le docteur Potiot. On retrouve sur les balcons les ferronneries du XVIIIe siècle, le décor des demeures villeneuviennes. Il s'agit d'un ancien relais de poste. Elle représente une allégorie de la ville entre les paniers de vendanges des vignerons et le gouvernail des mariniers. Sur cette place et dans la rue du Commerce s'étend l'important marché du vendredi. C'est en 1837 que fut établi l'ancien bailliage royal et son auditoire. Ce grand bâtiment autour de la cour intérieure a conservé les aménagements de l'époque du Premier Empire. L'instituteur, arrêté en pleine classe et arraché à ses élèves, pour être déporté à Buchenwald. Pas moins le souvenir d'un riche passé, avec les maisons à colombage qui restent au patrimoine. Ils ont reçu à Villeneuve leurs amis artistes peintres comme Toulouse-Lautrec, Auguste Renoir, Valenton, Roussel, Huillard et Bonnard. C'est exclusivement des pavillons appartenant aux résidents locaux. Traverser l'Yonne pour nous retrouver cette fois-ci dans le faubourg Saint-Laurent. Ancien, l'Yonne s'écoulait librement. Les bûcherons du Morvan y déposaient leurs billes régulant le débit du fleuve avec ses 26 écluses sur 108 km. Cela a amené l'avènement de la bataille. Derrière la plage se trouve le terrain de camping du Saucy, pourvu de mobile home et de l'aménagement fonctionnel. Les enfants sont initiés à cette pratique, encadrés par des moniteurs aguerris et bénévoles. Dans les temps Louis Comte, fondateur de la Fédération de pêche, ont lieu des concours. Suivant le courant, une aire de repos,
le square André Verly, un ancien maire. Cette ville au siècle passé médiéval restera toujours une merveille pour les caméras.